Bien aujourd'hui, ben encore bienvenue dans cette séance, hein, c'est super. Je vois que tout le monde reste fidèle à cette séance, c'est super, c'est sympa pour nous, c'est sympa pour tout le monde. Voilà, ben aujourd'hui, on va, comment dirais-je, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai rajouté un mouvement, c'est-à-dire on va faire six mouvements dans le cycle, six mouvements, mais il y a un mouvement qu'on va répéter deux fois. C'est un mouvement qui va nous permettre, c'est un mouvement de transition qui va nous permettre de récupérer un petit peu, de décontracter un petit peu. Donc je vous montre les exercices que l'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, il y a du déplacement. Alors faites un petit peu de place autour de vous. Il y a un petit peu de déplacement, des déplacements vers l'avant, des déplacements vers l'arrière. Je vous montre les exercices que l'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai mon petit papier, ça va aller. Alors, tout en se déplaçant, le premier exercice que l'on va faire, c'est monter le genou, d'accord? On a les bras bien en l'air, on monte le genou et on vient taper en dessous et on se déplace. On fait quatre pas en avant, quatre pas en arrière, et on expire en montant le genou. Et on se déplace comme ça, quatre pas en avant, quatre pas en arrière, quatre pas en avant, quatre pas en arrière. Deuxième exercice. La semaine dernière, on a fait des squats. Vous vous souvenez? Des squats et on avait alterné avec des fentes avant. Là, cette fois-ci, on va faire squat, mais on va faire cette fois-ci fente latérale. Squat, fente latérale. Squat, fente latérale. OK? Donc, systématiquement entre les deux, hop, un petit squat et on repart de l'autre côté en fente latérale. Troisième exercice, là c'est un exercice de transition, c'est talon-fesse, tout simplement. Hop, hop, avec les bras, on dira juste les bras. Comme ça nous permet de décontracter un petit peu les cuisses qui viennent d'être sollicitées. Quatrième exercice, alors là, accrochez-vous. On est ici en position, là, les jambes légèrement écartées, un petit peu plus que le bassin. On descend et on avance. 1, 2, 3, 4. Et on recule. Et on se relève. On repart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on se relève à chaque fois. OK? Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on se relève. Donc quand on se déplace, on ne se relève pas. Donc on reste dans cette position-là. 1, 2, 3, 4. OK? Et là, ça travaille. Pour terminer, enfin pour. Et deuxième exercice de transition pour récupérer un petit peu, bah, un petit étirement en fait, hein, celui plus moins ça, étirement dynamique, de façon à récupérer. Dernier exercice. Alors là, vous avez des variantes. Prenez une chaise. Une chaise à proximité. Premier exercice, une planche. Donc c'est dans la continuité du défi, comment dirais-je, gainage que fait Séverine jeudi. Première variante. Les bras tendus, on aligne bien tous les épaules, bassin, etc., etc. Et on serre bien les abdominaux. Si on peut le faire comme ça, on peut le faire sur les coudes. OK? Et l'exercice final, ce sera, on monte sur le côté. Hop. Donc voilà, vous voyez ça, cette planche-là. Ce gainage-là, vous pouvez le faire de trois façons. Donc, bras tendus sur les coudes, et là, on peut le faire aussi en dynamique. Hop, hop, on monte là bien sur le côté. Ce n'est pas devant, mais c'est bien sur le côté qu'on va monter le genou. Ça marche? Est-ce que tu... Super! C'est OK pour tout le monde? Bravo! Eh bien, on va commencer par un petit échauffement. Et puis après, bah, on entamera donc cette séance-là. On peut boire un coup si vous voulez. C'est parti. Allez. Allez, on marche. Voilà, c'est parti. On marche. On marche toujours. Attendez, je vais changer mon affichage. Allez-y, on marche. On pointe devant. Hop. On va pointer sur le côté. Est-ce que vous entendez la musique? On pointe derrière. Je vais mettre un petit peu plus fort.
Parce que moi, j'entends pas beaucoup. Et on Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. C'est cool. Allez, ça.
Pouvoir démarrer la séance, super. Bon, ben moi j'ai enlevé une couche quand même parce que ça commence à chauffer. Et voilà. Allez, on boit un coup et on va démarrer notre petite séance. Hop, c'est parti. Alors, je vous rappelle, premier exercice. Premier exercice, hop, hop, en se déplaçant, on fait 4 pas vers l'avant, 4 pas vers l'arrière, on expire en montant, ok? Ça c'est le premier exercice, on va commencer par celui-là, et après je vous montre au fur et à mesure l'exercice que l'on enchaîne, ok? Attention, c'est parti! Workout Music Source. Allez, on va. With the S and double, with the P. Baby, you too much for me. But I'ma show ya, I know ya, been waiting for this. So one more flip it, and dip it, and ride with this, 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 ride with this. Flip it. Allez, on boit le coup.
Allez, on continue, on marche un petit peu, on décontracte un petit peu les jambes. Là, on les travaille bien. Hein. Surtout quand on fait des squats et puis qu'on se déplace comme ça. Là, ça travaille. Allez, 1 minute 30 de repos. Ça va toujours? Impeccable, super. Ouh. Allez, encore 30 secondes et puis on va redémarrer. Allez, on décontracte bien les jambes, on marche. Heureusement que tu es en petite forme, Jean-Marie. Hein. Pardon? Heureusement que tu es en petite forme, hein, sinon qu'est-ce que c'est, hein? Ouais, c'est vrai. Après, on se laisse embarquer, hein. C'est ça le problème. Allez, on se repose. Un petit peu, on récupère. Dans 10 secondes, c'est reparti. Hop. C'est parti. Alors, c'est quoi là? On peut faire sur place aussi, là, c'est pas un problème, mais en déplacement, on engage encore plus de muscles. Ça va toujours? Ouais, génial. Allez, on respire, on récupère, on va entamer le troisième tour. Voyez, en rajoutant un exercice, ça commence à monter un petit peu le niveau.
Et on se décontracte. Là, les jambes. On va entamer le troisième tour. En 30 secondes. Allez, on va remettre la musique en route. Attention, attention. Ça va, tout le monde entend bien la musique? Laura, ça va? Oui, impeccable. Impeccable. 10 secondes. On marche un petit peu, on détend bien les jambes et on s'y va. Ah. Ça va toujours? Ouais. Oh, il est corps fou aujourd'hui. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? On ne se change pas. Bonne Marie, super, génial. Colette, ça va? Impeccable. Bon, eh bien, c'est super. 40 secondes de répit encore. Après le fou, il remet en route.
Allez. On respire bien. Ça va être parti pour le dernier cycle. Après, repos. Attention. 10 secondes. C'était pas bien compliqué. Et ben voilà, super. Allez, on récupère un petit peu. On marche sur place. On détend bien les jambes. Et surtout, on inspire. Allez, on va faire un petit retour au calme. Une petite musique sympathique. Basse,
à un bras, à l'autre. C'est terminé. Merci. Ah bah c'était super. Bravo Jean-Marie, bravo. C'était bien, vous avez travaillé comme des chefs et des chefs. Merci bravo. Jean-Marie, c'était bien. Super. Merci Jean-Marie. Merci. Merci. Allez lundi, moi jeudi aussi. Alors lundi ce sera pas moi. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, ce sera pas moi parce que je fais des travaux chez moi. Donc je serai pas disponible lundi. Donc bah, ce sera Séverine qui fera. Donc vous allez en baver. Alors, bon courage pour les travaux. Merci beaucoup. Oui. Allez, bonne semaine à jeudi pour ceux qui assistent à la séance de jeudi. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous. D'accord, bonne semaine. Il va faire beau temps. Il va faire beau temps. Bah oui, bah vous avez de la chance. Nous, dans le Nord, c'est pas gagné. Oh, si. On va avoir un petit peu de soleil et puis on va s'en contenter. Oui. Voilà, c'est ça. OK. On prend ce qui vient. Allez, au revoir à tous. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Et à demain, ceux qui veulent faire la danse à 9h30 ouais. aussi. D'accord, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.